Yo tout le monde et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo de la Loserty sur Clash Royale. Et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau test de deck que j'ai vu tout simplement en ladder. Et je l'avais déjà vu 2-3 fois, je sais pas si c'était les mêmes versions exactement. Non mais je vous l'avoue. Mais je me suis dit pourquoi pas le présenter aujourd'hui. C'est tout simplement une sorte de recrue full bait avec le maître mineur. Les gars, on n'a pas les évolutions. Non mais il faut se l'avouer, les évolutions c'est trop long à faire, on les a pas. Mais nous en sommes passés pendant 7 ans. Donc ce deck doit prouver que même sans évolution, il peut s'en sortir. On va partir directement dans la première game. Et là on vise le full win. Comme d'habitude, j'ai envie de vous dire, c'est parti, première game. Ok les gars, première game contre H-I-M. Him. On est contre Him. Ok. Là, ça commence fort déjà. Déjà là, on peut pas stopper la course. On était un peu... Et là, j'espère qu'il a pas une bûche, mais bon, ça m'étonnerait grandement. Oh la Valkyrie, oh là là. Ça je le vis un petit peu mal ça. Ça personnellement je le vis un petit peu mal. Ouais du coup on n'a pas les évolutions. Et franchement dites moi combien vous avez d'évolutions. Moi j'en ai 3. Après je sais que je les ai quasiment toutes commencées. Parce que vous savez dans les shops là, les shops d'événements, vous pouvez en avoir 3 par saison pour. Enfin ça dépend quelle carte ils mettent, évidemment. Et franchement s'il n'y aurait pas ça, mais oh ce serait trop une dinguerie, comment ce serait long. Si on devrait se contenter d'un fragment par saison, ah bah 2 évolutions par an, nickel. Juste nickel. Hein. Est-ce que le gang, je me prends un coup aussi, je pense. Hein. Ah ouais. Un peu, ça fait un peu mal. On va split les sapeurs, je pense. Oh la Valkyrie. Oh la Valkyrie, c'est effrayant. Ok. Oh, il a dead ça sur la bûche. Ah, je suis dégoûté. Après, on n'a pas tant de retard que ça. Hein. On a que 200 points de vie de retard. C'est pas mal, l'artificiaire. Ne la présentons même plus. Ne présentons même plus cette carte. D'ailleurs, n'hésitez pas. Hein, si vous voulez soutenir une pétition pour tout simplement la suppression de l'artificiaire, c'est le mec qui va trop loin. Non, mais en vrai, c'est trop. Franchement, je sens qu'on va encore l'avoir 3 games sur 3 aujourd'hui. Hein. Et ça, c'est vraiment aberrant. Ok. Mais c'est pas grave. Passons outre ce problème. Passons outre. Oh là là, encore une connexion. Oh là là, il a pris shot. Bah ouais. Je savais même pas qu'il avait une bûche. Mais si, il me l'a mise. Ah, je suis... Là, les gars, je suis pas là. Là, je suis pas dedans, là. Je le sens. Et là, on va agir comme notre deck nous demande d'agir, les gars. La pression. Oh là là. Je me dis pas qu'il va... Ok, Sako, c'est pas mal. On a fait très très peu de dégâts, par contre. On a fait clairement très très peu de dégâts. Mais là, je pense... Là, il y a une possibilité, là. Là, il y a une possibilité, parce qu'il va peut-être devoir surdéfendre à... Allez, dis-moi pas qu'elle recule assez. Oh, le gobelin d'une vie. Oh, le gobelin, c'est une masterclass, il est en train de braquer la tour. Ok, là, faut défendre. Oh non, on pourra jamais défendre. Oh, le gobelin, mais regardez-le. Regardez le héros. Il a été géré, le petit prince, genre qui était caché derrière le MK. Eh frérot, il met une Tesla défensive, t'as perdu une tour. Ah le frérot, il était pas dedans non plus. Hein. Bon bah, première victoire avec ce deck. Franchement, en vrai, avec la cavabellière, je crois que j'avais vraiment aucune défense pour la défendre parfaitement. Donc à chaque fois qu'il l'a posé, je prenais une charge. Mais on a quand même réussi à s'en sortir, on part directement dans la deuxième game. Et on va essayer de maintenir sur ce rythme. C'est parti, deuxième game. Ok, deuxième game directement et peut-être un meilleur adversaire. Parce que là, c'est vrai qu'en y repensant, en fait, la cavabellière, j'étais obligé d'accepter mon sort, les gars. Et c'était peut-être même contre-productif. Des fois, quand tu sais que tu peux rien faire, il vaut mieux rien faire. Et ça, c'est une réalité. Parce que là, je pense qu'à terme, s'il aurait continué de me pré-shot, en fait, j'aurais juste donné de l'élixir. À part si je mets maître mineur, mais c'est pareil, le maître mineur, la cavabellière, je pense elle met une charge. Et en plus, je pense qu'elle met 2 coups. Ah, peut-être 1. Même les recrues, non, il n'y a rien qui défend. Ah, par contre, on est contre un niveau 11. Attendez, quoi? Attends, là, j'ai pas compris, là. J'ai eu comme peur de ne pas comprendre. Comment il peut être niveau 12 de tour? Ah, attendez. Si, parce que je sais que maintenant, faut améliorer ses niveaux de tour, non? Sauf que du coup, il devait pas être niveau 12.
Il est passé niveau 12, mais il a pas les cartes pour améliorer la troupe de tour, ou je comprends rien juste. Ou je suis perdu. Parce que ça me paraît étrange quand même. Hein. Non, non, vas-y, 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 on me troll. Non, on me troll. Oh non. Oh non, 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 non. Me faites pas ça, mais... Non, non, s'il te plaît, tue-le. Tue-le, tue-le. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Ah non, mais là, c'est un abandon. Les gars, à la place de surdef, quand tu sais que tu ne peux pas def, autant tenter d'aller égaliser. Et ça, c'était une masterclass. Le mec a surattaqué. En fait, j'avais abandonné ma tour, déjà. Son esprit de glace, je pense qu'il le mettait sur le... Mine de rien, sur le fût, il aurait peut-être pu le défendre. Hein. Il aurait peut-être pu même sauver sa tour. Je pense. Ouais, je pense qu'il a sauvé. Non, par contre, on m'a troll, là. Oh, je vais lui faire... Oh, je vais lui faire un sale coup. Oh là, je vais lui faire un sale coup. Là, il est obligé de def à gauche, parce que sinon, je le laisse tout simplement aller tout droit. Ah ouais, pas ouf. Non, pas ouf. Il a plus assez de vie. Ça vaut pas le coup. Mais on va quand même bien endommager ça. Aïe, aïe, aïe. Ok, comment j'ajoue? Est-ce que j'encercle le Zapier avec des gobelins? Je pense que c'est la meilleure chose à faire pour pas qu'il tue trop rapidement les boucliers. Non, 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 non. Tire là-dessus. Ouais, pas mal. Ouais, pas mal. Ok. Oh là là, oh là là. Oh, je me suis fait enclencher. Oh non. Oh oui. Oh non. Attendez, je sais plus quoi faire. Je vous jure, je sais pas quoi faire. Ok. Ok, temporisons, temporisons. Tue le Zapier, au moins un. Ok, ça va. Ok, pas mal. Ouais, c'est pas mal ça. C'est une catastrophe. Faut que je mette une belle BDF. Oh, la BDF, elle est folle. Elle est folle, mais s'il met un truc corner, là, je pleure. Hein. Ah, heureusement qu'il a pas son maxi squelette, là. Parce que là, franchement, je pense que j'étais dans la sauce. Ok. Ça, c'est pas fou. C'est pas fou du tout. Oh non, vas-y, il a tué le gobelin qu'il avait focus. Je suis deg. Ah, tombe, 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 pars. Ok. Ok. On est bien. On est très, très bien. On n'est pas si bien, mais on est quand même ok. Comment je vais la braquer celle-là? Normalement, en vrai, normalement, je peux le faire, je pense. Faut juste faire gaffe parce qu'il peut me mettre un truc corner qui m'assassine la game. Faut que je mette une pression. Faut que je mette une pression. C'est maintenant ou jamais. Allez, va sur la tour. Ok. Il est dessus. C'est une masterclass. Il va mettre son. Il va reset. Il a pas eu le temps, il a fait trop tard. À une demi-seconde près, je pense que son dernier coup, il commence à mettre cher. Et je l'aurais pas fini à la boule de feu, mais je pense que j'aurais quand même pu en recycler une. En tout cas, ça fait deux games, deux victoires. Celle-là, elle n'était pas facile parce que le Zapier m'embêtait bien. À chaque fois, il one-shotait mes gangs et tout, et je pré-shotais pas. Enfin, le changement de focus, il me gênait un petit peu. Mais en tout cas, ça fait deux games, deux victoires. On part dans la troisième game et on va essayer de faire le perfect. C'est parti. Et ouais, l'équipe, qu'est-ce qui m'a fait gagner la game? En vrai, je pense que c'est son surpush. Genre, à la place de surdéfendre, alors que je savais que j'avais perdu. C'est qui ce mec? C'est quoi ça? Mais c'est qui? Mais Darikun! Mon ref! Non mais s'il te plaît, fais un effort! Attendez, mais vous... Non mais attends, quoi? Mais... Attendez, mais... Il m'a mis une foudre first play là. Mais. Là je sais pas quoi dire. Là honnêtement, je sais pas quoi dire. Bah ok. Bah juste ok là. La première tour qui tombe là, c'est. Je pense que c'est le deck qui est trop fort. Là. Non mais c'est le deck qui est. Il est impressionnant, il fait carrément perdre les moyens à nos adversaires, vous avez vu. Enfin, qui met des foudres first play? Normalement personne. Mais ce deck crée une perturbation. Finalement avec. Qu'est-ce que c'est, mec? Mais Darikun! Il a mis un autocliqueur qui joue tout seul, c'est pas possible. Je vous jure, c'est vrai. Il peut pas me faire ça. C'est quand même étrange, là. Hein. Ou peut-être qu'on joue contre une IA, les gars. La première IA de Clash Royale. Il reste des trucs à perfectionner. Voilà, je veux pas critiquer le travail. Hein. Mais il y a peut-être encore 2-3 moves qui sont discutables. Je ne dirais pas que c'est une erreur de paramétrage, même si mes capacités et mes connaissances en codage, évidemment, sont présentes, mais peut-être encore à perfectionner. En tout cas, ça fait 3 games, 3 victoires, mais les gars, on ne peut pas partir là-dessus. On ne peut pas.
Darekun, il n'était pas dans sa game. Ça se sent. Et on va essayer d'aller chercher le 4-0 directement. C'est parti, quatrième game. Quatrième game contre Itz Ravière X92. Et les gars, encore une fois et une nouvelle fois, là j'ai la flemme, j'avais pas le réflexe. La philosophie sur cette chaîne, des fois, il vaut mieux abandonner que de s'accrocher parce que... Oula, je suis perdu dans mon dicton. Oula là, gang niveau 11, inquiétant. Artificier niveau 11, inquiétant aussi. Parce que des fois, tu as plus à y perdre qu'à y gagner. Et ça s'est vu déjà une fois dans la première game et une deuxième fois dans la deuxième parce que c'est très clairement le fait que j'ai rage-quitté ma tour qui a fait que j'ai remporté cette game. Et ça, c'est beau. Et là, on a déjà pris une énorme avance. Ok. Ah, il a quand même mis cher avec pas grand-chose. J'ai envie de le bait, là. Là, j'ai envie de le bait. C'est maintenant. Ok. Oh, il va se retourner. Oh, le dart, il nous fait une artificière prime. Oh, il me fait le coup de l'artificière. Oh, ça y est. Il est sur tous les côtés. Ah ouais. Je pense que Ravière, il le vit un peu mal. Là, je pense que le début de combat va lui rester en travers de la gorge. Ça, c'est une certitude. Ok. Le sapeur qui peut connecte. Oh, dommage. Est-ce que... Ah, les gars, pour la science, je pense qu'il connecte pas, le prince. La tour doit mettre deux coups, mais ça doit être... Non, 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 il connecte jamais. Oh, c'était quand même tendu. Hein. Ok, c'est trois coups pour que le prince connecte en full charge. C'est bien ce que je me disais. C'est les données que j'avais en tête, mais des fois, je fais des petites mises à jour d'informations. Des petites vérifications, j'ai envie de vous dire. Et là, par exemple, est-ce que c'est bon pour lui de s'accrocher à sa tour? En vrai, ouais. En vrai, ouais, parce que j'ai qu'une boule de feu, mine de rien, pour finir. Donc, il faudra quand même que je sorte 4 élixirs. Ça peut me perturber à un moment. Et je vais faire pareil, parce que je crois pas que j'ai vu quoi comme sort de lui. Oh là là, il va perdre les deux. Il perd les deux tours, là, il perd pied. Oh non! Oh non, il a fait un gauche-droite. Attendez. On va pas troll, quand même. Hein. Parce que, mine de rien, on a encore nos deux tours. Il en a zéro. Oh là là! Mais vous avez vu les frayeurs qu'on me fait, là? Attendez, mais... C'est moi, le prince, il a continué 2-3 secondes après que j'ai posé les recrues à aller tout droit sur ma tour. J'ai failli esquisser une inquiétude. Et finalement, dans la plus grande sérénité, j'ai vite compris que c'était une inquiétude qui n'avait pas lieu d'être. Par contre, là... Oh là là, oh là là, oh là là, j'ai peur. Oh là là, j'ai peur. Il spam tout. Ça y est, il spam tout. Maître mineur, petite bombe pour gérer les... Ah, elle a pas mis la bombe. Ah, ok. Bon, bah, soit. Hein. Ah, les gars, ça fait 4 games, 4 défaites. 4 défaites. Non, non, non. 4 games, 4 victoires. Là, je sais pas ce qui m'arrive. Les dernières vidéos, on fait énormément de victoires pour très peu de défaites, hein, mine de rien. Le ratio est super positif, les gars, par contre. Demain, normalement, d'après mes calculs, je fais une vidéo où je teste vos decks. J'ai bien peur que le ratio chute. Mais ne soyons pas négatifs. En fait, les gars, si on ne croit pas en nos chances... Qui va croire en ses chances? Et je pense que c'est sur ça que nous nous quitterons dans cette vidéo. C'était la Lozerti. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo. Ça encourage de fou si cette dernière vous a plu, évidemment. C'était la Lozerti. Portez-vous bien. On se retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo. À demain. Ciao.